On revisite aujourd'hui un exercice classique pour placer le club correctement à la descente. Un exercice qu'on voit là, déjà depuis longtemps, c'est celui où, lorsqu'on redescend à travers la balle, pour nous assurer que les épaules travaillent correctement, pour nous assurer aussi que le club travaille correctement à la descente, c'est qu'on prend un peu la sensation comme si, en redescendant, on prenait notre coude arrière et que, dès qu'on redescend, on vient un peu l'appuyer sur nous comme ça ici, pour éviter le fait que, lorsqu'on redescend, par exemple, que ce coude-là s'en aille vers l'extérieur et que ça nous amène le fameux coup d'épaule comme ça. Si je monte comme ça ici et que je redescends en ayant l'impression, justement, de venir un peu appuyer mon coude droit sur mon côté droit comme ça à la descente, oui, dans les faits, le club devrait se placer correctement. Par contre, ce qu'il faut faire attention lorsqu'on fait ça, c'est de s'assurer que le club redescende dans le bon angle. Et c'est souvent ce qui va faire la différence de si on est capable, en fait, de reproduire cet exercice-là correctement ou non. Ce que je veux dire, c'est que si je m'installe à la balle comme ça, je fais ma montée, je redescends comme ça ici, je viens un peu appuyer mon coude sur moi ici. La problématique souvent lorsqu'on fait ça, c'est qu'on vient ajouter un angle au niveau du club qui est beaucoup trop vertical. C'est-à-dire que quand je monte comme ça ici, j'ai un club présentement qui est dans cet angle-là. Okay? Je ne suis pas plus vertical comme ça, je suis légèrement là, comme ça en angle. Mais quand je vais redescendre, moi ce que je veux m'assurer de faire, c'est que je veux m'assurer que si j'utilise ce coude-là, donc disons que j'utilise le conseil de venir placer le coude comme ça sur moi en descendant, bien, je vais m'assurer de garder le même angle au niveau de ce club-là à la descente. Souvent, l'erreur, c'est qu'on monte comme ça, on place le coude, oui, mais le club devient plus vertical comme ça. Si je viens placer mon coude sur moi, mais que le club devient plus vertical, mais je vais quand même donner le coup d'épaule, je vais quand même avoir un club qui n'arrivera pas dans le bon angle. Je vais avoir un club qui arrive un peu comme ça et qui va ensuite venir tirer vers moi. Alors, ce qu'on veut faire, on monte. Le club est dans un certain angle ici. Je prends mon coude, je peux venir l'appuyer sur moi comme ça, mais je m'assure que cet angle-là ici reste sensiblement le même lorsque j'amorce la descente, lorsque je place ce coude-là. Et par la suite, le corps peut tourner à travers la balle sans problème. Peu importe le club, exactement le même principe, mais allez chercher cette sensation-là.